Salut, c'est Maureen Bigot, 24 ans, milieu offensif du FC Fleury 91. Je réponds à vos questions. C'est parti. Estelle, à quel âge as-tu commencé le foot? Alors, j'ai commencé à l'âge de 6-7 ans avec les garçons, à l'ES Guin, où j'ai pu évoluer aux côtés de Kalloun. C'est Pascal Costeux, c'est un très grand gardien qui était dans le club. Et j'ai joué jusqu'à mes 15 ans avec eux, jusqu'à temps de partir avec une équipe féminine. Témis, est-ce que tu as rencontré des obstacles dans ta carrière? Non, j'ai pas rencontré d'obstacles, mais si j'en rencontrerais, je pense que je ferai preuve de mental et j'essayerai de les surmonter. Léa, comment avoir confiance en son jeu? Bah, pour avoir confiance en son jeu, je pense qu'il faut connaître ses points forts et ses points faibles, et surtout travailler plus dur sur ses points faibles et prendre des risques. Offensivement, il faut prendre des risques. Tous mes choix me permettent de m'améliorer et de perfectionner lors des entraînements et des matchs à plusieurs postes offensifs. Sofia, quelles étaient tes idoles quand tu étais petite? Alors mon idole, bah, bien sûr, c'était Zinedine Zidane, et parce que c'est Zizou, quoi. Chimène, quelles sont les principales qualités que requiert une footballeuse de haut niveau? Pour devenir une footballeuse de haut niveau, je pense qu'il faut un gros mental. Et surtout s'entraîner très dur et avoir la technique. Louane, quelle est l'ambiance dans le groupe? Ben, l'ambiance, elle est plutôt bonne, mais après, c'est un peu spécial avec la crise sanitaire, donc on essaye de rester soudés. Puis on se dit aussi que bah, nous, on joue au football, et donc c'est un rêve, quoi. J'espère que le football féminin va continuer d'évoluer et que les inégalités entre les hommes et les femmes se verront de moins en moins. Et surtout que vous serez encore plus de monde à venir nous voir et nous supporter. Merci pour vos questions et restez connectés pour le prochain Face aux questions.